springbok, Antidorca marsupialis, est une espèce d'antilope que l'on trouve principalement en Afrique australe. Voici une description du springbok. Apparence physique. Le springbok est une antilope de taille moyenne, mesurant environ 70 à 90 cm de hauteur à l'épaule. Les mâles sont légèrement plus grands que les femelles. Ils se distinguent par sa robe caractéristique, composée d'un pelage brun clair sur le dessus du corps, avec une bande sombre qui court le long de son flanc. Cette bande est bordée de marques blanches distinctives, qui deviennent plus visibles lorsqu'il se déplace ou qu'il est excité. Les parties inférieures du corps du springbok sont généralement blanches. Les mâles ont également des cornes en forme de lyre, qui sont généralement plus grandes et plus courbées que celles des femelles. Comportement et habitat. Le springbok est connu pour ses capacités de saut exceptionnelles. Il peut effectuer des bonds verticaux de plus de 3 mètres de hauteur et des sauts horizontaux de plus de 15 mètres de longueur. Ces sauts caractéristiques, appelés « pranking », sont souvent utilisés pour communiquer avec d'autres individus et pour montrer sa vigueur lors des parades nuptiales. Les springboks vivent généralement dans les plaines herbeuses et les savanes arides, où ils se nourrissent principalement d'herbes. Migration, les springboks sont également connus pour leur comportement migratoire saisonnier. Ils forment parfois de vastes troupeaux qui se déplacent sur de longues distances à la recherche de pâturages frais. Ces migrations sont souvent déclenchées par la disponibilité de l'eau et de la nourriture dans différentes régions. Prédateurs et défense, les springboks sont des proies pour de nombreux prédateurs d'Afrique australe, tels que les lions, les guépards, les léopards et les hyènes. Pour se défendre, ils peuvent atteindre des vitesses élevées, courant jusqu'à 80 km/h sur de courtes distances. Ils utilisent également leur agilité et leur saut pour éviter les prédateurs. Alimentation. Le springbok est un herbivore qui se nourrit principalement d'herbes, de jeunes pousses, de feuilles et de fruits. Il est bien adapté pour survivre dans les régions arides, car il peut extraire l'humidité dont il a besoin de l'herbe qu'il consomme. Reproduction. La saison de reproduction du springbok a lieu généralement pendant la saison des pluies, lorsque les ressources alimentaires sont plus abondantes. Les mâles se livrent à des comportements de parade nuptiale pour attirer les femelles, ce qui comprend des sauts prononcés et des mouvements de la tête. Les combats entre mâles rivaux pour l'accès aux femelles sont également courants et impliquent des poussées et des coups de corne. Les femelles donnent naissance à un seul petit, appelé fan, après une gestation d'environ 6 mois. Système social. Les springboks sont des animaux sociaux qui vivent en troupeaux lâches composés de femelles, de jeunes et de quelques mâles. Les femelles forment des groupes stables, tandis que les mâles sont plus solitaires et rejoignent les troupeaux de femelles pendant la saison de reproduction.
prestations physiques. Outre leur capacité de saut impressionnante, les Springboks ont développé d'autres adaptations pour survivre dans leur environnement. Ils sont bien adaptés à la chaleur, avec des glandes sudoripares qui leur permettent de réguler leur température corporelle. Leurs sabots sont également adaptés au sol dur et sablonneux des régions arides. Importance culturelle. Le Springbok est un symbole national en Afrique du Sud et apparaît sur l'emblème de l'équipe nationale de rugby, les Springboks. Il est également considéré comme un animal emblématique de la faune africaine et est souvent associé à l'image de la savane. Conservation. Le Springbok est une espèce abondante et largement répandue en Afrique australe. Il est classé comme « préoccupation mineure » par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, ce qui signifie que sa population est stable et qu'il n'est pas menacé d'extinction à l'échelle mondiale. Le Springbok est une espèce captivante de l'Antarctique australe, qui se distingue par ses capacités de saut, son apparence distinctive et sa capacité à survivre dans des environnements arides. Son comportement social, son régime alimentaire et son importance culturelle en font un animal fascinant et apprécié dans les régions où il vit.